Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts avec une arbalète recourbée dans un mode de survie. Donc si vous en êtes arrivé jusqu'au quatrième défi, ça veut dire que l'arbalète recourbée, vous l'avez débloquée automatiquement. C'est des schémas que vous débloquez automatiquement en fonction de votre progression. Donc ce que vous allez devoir faire pour fabriquer l'arbalète, c'est tout simplement aller dans un établi, qui est juste ici. Ensuite, vous allez appuyer sur R2, et là dans vos armes, vous avez l'arbalète recourbée. Donc par contre, pour la créer, il vous faudra des tiges de bois et de la corde. Alors, les tiges de bois, vous allez pouvoir les créer dans la scierie, hein, comme on a déjà fait. Donc on doit en créer combien, ils ont demandé? Ils en ont demandé 5. Donc on va en créer 5 directement, avec du bois, bien entendu. Donc il nous faudra 5 de bois. Ensuite, quand elles sont terminées, vous les récupérez en appuyant sur triangle. Et là, vous allez devoir obtenir, ils nous ont demandé, une corde. Donc pour obtenir une corde, vous allez devoir aller près de la roue, près du rouet, tout simplement. Et là, vous avez une corde. Donc pour obtenir une corde, il vous faudra 5 lierres. Alors les lierres, vous les obtenez en détruisant des buissons. Donc moi, j'en ai blindé. Là, il y a un buisson, vous le détruisez et vous obtiendrez du lierre. Donc quand vous avez du lierre, vous allez dans votre rouet et vous fabriquez une corde. Donc en appuyant sur X, et vous mettez 1 et vous faites dépôt rapide. Ah ouais, non. Faut pas mettre dépôt rapide, sinon ça en met 5 directement. Vous en faites juste 1 et vous appuyez sur X pour valider. Donc là, vous attendez que la fabrication se fasse. Et quand on aura tout, on n'aura plus qu'à aller créer notre petit arc. Donc là, on le récupère. Pourquoi je peux pas le récupérer? Alors, je crois que ça... Ah, mais non, c'est vrai, il en faut 5. J'en ai mis qu'un. Donc, OK. Donc là, vous en mettez 5 de lierre. Sinon, vous n'aurez pas de corde. Hein. Donc là, moi, j'en avais mis qu'un. Donc là, on va attendre tout simplement que la corde se fabrique. OK, là, ça a bien fonctionné. Là, je peux récupérer ma corde. Quand vous avez récupéré votre corde, vous allez à l'établi. Et là, vous allez tout simplement fabriquer votre arbalète recourbée. Donc fabriquer en appuyant sur carré. Voilà, fabrication en cours. Parfait. Maintenant, je l'ai dans mon inventaire. Donc si je fais flèche du haut, je vois mon inventaire. Elle est bien ici. Quand je fais L1 R1, ben, je peux switcher sur l'arme en question. Et là, vous allez devoir infliger des dégâts avec cette arbalète. Donc je ne sais pas si ça fonctionne sur les moutons. On va essayer. Pas de munitions. Ah, il nous faut des munitions. Ok, donc pour fabriquer des munitions, vous allez devoir retourner à votre établi. Bon, là, je vais devoir attendre la fin de la pluie. Peut-être que si je mets un toit au-dessus, ça pourrait empêcher la pluie de toucher l'établi. Et je pourrais peut-être construire mes flèches. On va essayer. Alors, pour construire un toit, ce que vous faites, c'est que vous allez dans vos constructions. Vous allez dans maison. Dans fabrication de maison. Ensuite, vous allez dans fondation en bois. Et là, vous avez... une sorte de plaque que je vais utiliser et que je vais essayer. Donc j'appuie sur X et là je bouge avec les flèches pour bien la placer contre le mur. On va voir si ça fonctionne. Ok, comme ceci. Alors maintenant, effectivement, je peux utiliser l'établi. Donc ça, c'est pas mal. Alors, on va fabriquer 5 flèches. Non, 3 flèches, on va en fabriquer 3. Ah ben c'est par 8. Et pour fabriquer des flèches, il nous faut des plumes. Ok, donc j'ai trouvé comment obtenir des plumes. Alors apparemment c'est avec ces coques. Hein. Donc là je vais le caresser. On va voir si ça va me donner des plumes. Non, ça me donne un œuf. Donc c'est une poule. Si vous tuez la poule, regardez. Là. Ah bah elle m'en a pas donné. Intéressant. Tout à l'heure elle m'en a donné un. Donc là regardez. Là j'ai eu une plume là. Hop. Vous voyez, là il y a une plume. Donc quand vous voyez une poule, ben tuez-la. Comme ça vous obtiendrez des plumes. Ok, donc quand vous aurez réussi à récupérer une plume, bah là vous allez pouvoir aller fabriquer des carreaux. Donc là je vais en fabriquer 8. Ok, c'est bon. Et maintenant je vais pouvoir utiliser mon arbalète. Alors il y a des poules juste là. On va voir si sur les poules ça fonctionne. Ok, ça fonctionne. Dès que vous aurez tué 3 animaux, hein, 3 n'importe quel animal, bah là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez le skin qui est en récompense. Code créateur.